Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière séance de la 19e saison des Mardis de la mer. Dernière séance un peu atypique après une séance elle-même atypique précédemment, puisque Michel Pelletier n'avait pas pu nous rejoindre la dernière fois. Ce soir, c'est Sandrine Barbier qui a un petit souci que son kiné n'a pas réussi à résoudre et qui l'oblige à intervenir à distance. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire à la fois un Mardi de la mer en présence, en quasi-présentiel pour vous qui avez bien voulu vous déplacer et pour ceux qui sont à distance. Christian Buchet a été retenu pour des raisons familiales et vous demande de bien vouloir l'excuser. Donc me voilà seul au pupitre, mais Sandrine Barbier va apparaître à l'écran si ça n'est pas le cas déjà. Voilà, Sandrine Barbier est avec nous. Alors, l'océan, les Nations Unies, le droit international, la négociation sur la haute mer. Après 15 ans ou 20 ans de discussion, un accord visant à protéger la biodiversité de la haute mer et à établir des règles pour le partage des bénéfices liés à son exploitation vient d'être trouvé par la conférence intergouvernementale réunie à l'ONU à cet effet. Ce Mardi de la mer est l'occasion de comprendre les enjeux de cet accord, les difficultés qui ont été surmontées lors de son élaboration, les principaux protagonistes, leurs positions, la signification de ces positions. C'est aussi l'occasion de comprendre quelles sont les étapes qui restent à franchir en vue de son entrée en vigueur et les sujets que devront régler les organes qui seront mis en place. C'est aussi peut-être l'occasion d'examiner comment, dans un contexte de tension internationale majeure, le multilatéralisme peut continuer à porter des fruits et quels sont les acteurs principaux. Nous avons la chance d'avoir donc en ligne, pour nous en parler, une des meilleures spécialistes de cet accord. La direction juridique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, dont Sandrine Barbier est la directrice adjointe, en charge du droit international public, du droit international pénal et du droit international de la mer, assure le pilotage de ce dossier pour la France. Donc Sandrine Barbier, Sandrine, le droit public international est votre passion et vous êtes une experte de cet outil de diplomatie. Vous faites une maîtrise de droit, option droit international public. Vous poursuivez par un diplôme d'études approfondies en droit des relations économiques internationales et communautaires. Vous enseignez, vous faites partie de l'équipe du Cameroun dans l'affaire frontières terrestres et maritimes entre le Cameroun et le Nigeria devant la Cour internationale de justice et dans l'équipe de conseil de Singapour dans son différend de souveraineté entre ce pays et la Malaisie. Puis vous êtes docteur en droit public, votre thèse porte sur la garantie en droit international public. Vous rejoignez alors la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Vous êtes en charge des questions liées aux droits diplomatiques et consulaires, aux immunités des États et de leurs représentants et agents, aux droits des organisations internationales. Ensuite, vous êtes en charge des questions juridiques liées à la gestion des ressources humaines du ministère avant de devenir chef de mission des accords et traités. Dans ce poste, vous assurez le suivi et la coordination interministérielle de la procédure d'introduction en droit français des accords et traités conclus par la France. Et puis depuis 4 ans, vous êtes directrice adjointe des affaires juridiques du MEAE, en charge du secteur droit international public, droit international pénal et droit international de la mer. Pour l'internationaliste que vous êtes, ce poste est un formidable point d'observation du droit international et aussi de contribution à la politique juridique extérieure de la France. En charge notamment du droit de la mer, vous êtes impliqué en particulier dans l'élaboration de l'accord BBNJ, puisque la direction juridique est le pilote de cette négociation pour la France. Et puis, si je peux me permettre d'ajouter une petite touche personnelle à ce rapide portrait, j'ajouterai simplement que dans ma classification très binaire des juristes, qui oppose ceux qui expliquent quels sont les problèmes et ceux qui proposent les voies pour les surmonter, vous êtes indéniablement de la seconde catégorie. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup, Eudé. Je suis ravie que vous me rangiez dans cette catégorie, parce qu'effectivement,
Le juriste est évidemment là pour rappeler les règles qui s'appliquent, mais il est aussi là pour travailler à l'élaboration des solutions. Et en droit international, il y a évidemment de quoi faire, mais ce n'est pas propre au droit international. Et donc, on essaye évidemment toujours, en tout cas, de voir comment on peut améliorer les choses et faire progresser l'état du droit. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et encore mes plus plates excuses pour cette intervention à distance. J'aurais vraiment préféré être parmi vous en présentiel, mais effectivement, j'ai un petit problème physique qui me gêne dans mes déplacements et donc, du coup, je suis coincée chez moi. Donc, on m'a demandé de vous parler donc du traité BBNJ, donc ce traité sur la protection, la conservation de la biodiversité dans les zones au-delà de la juridiction nationale, donc ce qu'on appelle plus communément haute mer, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que la haute mer, c'est la colonne d'eau au-delà de la juridiction nationale, mais ça touche aussi les fonds marins au-delà de la juridiction nationale également. Alors, ce traité BBNJ a effectivement été adopté donc le 4 mars 2023 et il a été qualifié de traité historique. Alors, personnellement, je n'aime pas trop ces qualificatifs parce qu'ils sont souvent usurpés, mais je dois reconnaître que dans ce cas-là, les mots ont un sens et que historique n'est pas galvaudé. Alors, pourquoi historique ? Pour deux raisons. La première raison, c'est que l'adoption de ce traité BBNJ, effectivement, la fin d'un processus engagé depuis maintenant 2006, donc presque effectivement 18 ans plus tard, c'est une vraie victoire du multilatéralisme. Et en ce moment, on n'a pas souvent l'occasion de se réjouir de victoires du multilatéralisme. Donc, dans un contexte que vous savez tous très compliqué, hein, politique et géopolitique très compliqué, l'adoption de cet accord juridiquement contraignant, qui était d'ailleurs le seul accord en négociation aux Nations Unies. Maintenant, on a aussi le traité sur les plastiques. J'espère qu'il aura la même issue après la COP15, qui s'était déroulée en décembre sur la biodiversité. C'est vrai que l'adoption de ce traité montre, comme l'a dit Eudes, que on arrive encore au niveau multilatéral à trouver des solutions sur les enjeux globaux. Et donc ça, déjà, c'est un signe extrêmement encourageant et donc c'est pour ça que c'est historique. Mais c'est aussi historique parce que c'est pas une coquille vide, ce traité. On a réussi à conclure un traité qui marche sur deux jambes, c'est-à-dire qu'il est, je vais vous expliquer pourquoi, mais il est à la fois ambitieux sur le fond, c'est-à-dire que c'est une réelle valeur ajoutée par rapport à la situation préexistante. Mais sa deuxième jambe, c'est que, en tout cas, on l'espère, il a vocation à être le plus universel possible. Et ça, c'était pour la France, en tout cas, un enjeu vraiment fondamental. Parce que on peut avoir le traité le plus ambitieux du monde sur le papier s'il n'y a pas les États qui utilisent le plus la haute mer et donc des États développés ou des États aussi comme la Chine, c'est un traité qui finalement ne sert à rien. Il était vraiment important qu'on puisse avoir un traité qui ait une réelle valeur ajoutée au plan environnemental, mais soit aussi susceptible, en tout cas, d'être ratifié par le plus grand nombre, y compris par les États qui utilisent concrètement le plus la haute mer. Et c'est vraiment un message qu'on a fait passer notamment aux ONG qui pouvaient parfois être un peu critiques, parfois sur le manque d'ambition environnementale, ce qui n'a finalement pas été le cas, parce que il n'y a eu aucune critique en fait des ONG à l'issue de l'adoption de ce traité. Donc, je crois qu'elles ont vraiment compris que c'était un bon traité sur le fond. Mais nous, on a dû aussi leur expliquer que on n'avait plus proposé des solutions qui, a priori, ne paraissaient pas aller dans le sens d'une plus grande ambition, mais qui, de notre point de vue, étaient nécessaires pour qu'on puisse rallier le plus grand nombre. Et c'est au moins aussi important que l'ambition sur le fond. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un traité historique et qui a en lui, en tout cas, la potentialité d'une réelle efficacité et de pouvoir vraiment changer les choses. Alors, peut-être vous rappeler justement un peu les enjeux
quels étaient les objectifs qu'on cherchait à atteindre dans cet accord qui est très technique, mais dont on peut très assez facilement en fait percevoir quels étaient les enjeux fondamentaux. Les enjeux fondamentaux, c'était, on peut en citer quatre. Le premier enjeu, c'était en fait d'assurer à la fois la préservation de l'océan et de sa biodiversité, mais aussi d'assurer son utilisation durable de ses ressources. Et donc là, il fallait donc trouver un équilibre. Le deuxième enjeu, c'était à la fois de respecter les grandes libertés posées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, mais également d'encadrer les activités qui se déroulent en haute mer. Donc là aussi, il fallait trouver un équilibre. Et à cet égard, je souhaite préciser qu'on a parfois entendu dans la presse que grâce au BBNJ, on allait enfin mettre fin à une zone de non-droit. C'est absolument faux. La haute mer était déjà réglementée. Il y a déjà dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer des obligations à la charge des États, et notamment de protéger et de préserver le milieu marin. Mais ces obligations, ou aussi de faire des études d'impact, par exemple, mais c'était des obligations qui étaient rédigées de manière générale. Et donc, le BBNJ, qui est un accord d'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, vise finalement à renforcer, concrétiser, opérationnaliser, en fait, les grandes obligations qui étaient déjà dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, pas une zone de non-droit, mais en tout cas, un droit maintenant qui est précisé, des processus qui sont mis en place et qui devraient permettre une meilleure effectivité de la protection de la haute mer. Le troisième enjeu, c'était justement, par ce BBNJ, de créer une nouvelle gouvernance de l'océan et tout en assurant et en renforçant la cohérence et la coordination avec les organisations internationales existantes, qu'elles soient sectorielles, type l'Organisation maritime internationale, ou donc qui s'occupe de navigation principalement, ou l'Autorité internationale des fonds marins, qui s'occupe de l'exploitation des ressources minérales des grands fonds, mais également de la FAO qui traite de la pêche illicite et non réglementée, ce qu'on appelle la pêche INN. Donc, des organisations internationales sectorielles, mais également des organisations régionales, qu'il s'agisse de conventions de mer régionales, convention de Barcelone en Méditerranée, OSPAR dans l'Atlantique du Nord-Ouest, ce qu'on appelle la CAMELAR, qui est une convention qui règle en fait l'océan austral, donc au large de l'Antarctique, ou encore comme organisation régionale, les organisations régionales de gestion des pêches qui peuvent traiter de certaines espèces en haute mer. Donc il fallait à la fois donc créer des nouvelles institutions donc pour assurer cette gouvernance de l'océan, donc en tout cas de la haute mer, au-delà de la juridiction nationale, mais tout en étant aussi un instrument de coordination, de coopération, de cohérence avec toutes ces organisations existantes. C'est vrai qu'il y a, du fait du fruit de l'histoire, beaucoup d'organisations internationales qui s'occupent de la mer. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer d'offrir une meilleure cohérence pour une plus grande efficacité. Et le quatrième enjeu, c'était de donner des garanties aux pays en développement qui puissent en fait retirer des bénéfices concrets en fait de cet accord, notamment en matière de renforcement des capacités, de transfert de technologies marines ou encore de partage des bénéfices tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines collectées en haute mer. Donc ça, c'était les enjeux généraux. Et donc le processus donc de négociation donc a consisté donc à trouver des solutions, des compromis sur ces différents chapitres. Alors la négociation, comment elle s'est déroulée? Donc le processus a effectivement été lancé en 2006, mais la résolution qui a lancé réellement le cycle de négociation a été adoptée le 24 décembre 2017.
Et ensuite, il y a eu 5 conférences intergouvernementales qui se sont tenues à New York. La première en septembre 2018, puis mars et août 2019. La pandémie du Covid a bloqué le processus puisqu'on ne pouvait plus se réunir, même s'il y a eu un travail intersessionnel, informel, qui a été utile parce que ça a permis aux délégations d'échanger, de se préparer aussi, parce que comme les sujets sont très techniques, ça demande aussi du temps pour bien comprendre les enjeux et pour pouvoir aussi avoir chacun des positions nationales. Puis la négociation a repris en 2022 dans un contexte assez différent et qui n'est pas sans lien avec le succès de cette négociation. 2022, ça a vraiment été l'année des océans, lancée d'abord par le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest, donc sous l'impulsion de la France en février 2022. Puis, on a eu la conférence des Nations Unies sur les océans, donc qui s'est tenue à l'UNOC 2, qui s'est tenue à Lisbonne en juin. Et donc, cette dynamique, en fait, a permis de mettre le BBNJ un peu au centre, de faire monter le BBNJ dans une meilleure visibilité, une plus grande priorité politique, en fait, qu'il n'avait auparavant, où entre le sigle BBNJ, qui évidemment n'est pas très parlant, et la technicité de l'accord, c'était extrêmement difficile en fait de faire porter politiquement cette négociation. Et en fait, ce qui a permis donc d'avoir aussi ces événements sur les océans, c'est aussi la prise de conscience de plus en plus forte du lien entre lutte contre le changement climatique, protection de la biodiversité en général et protection de l'océan compte tenu du rôle majeur de l'océan dans la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, cet environnement propice, en fait, la mise en lumière de l'importance des océans donc, a permis en fait, de faire monter le BBNJ au premier plan. Et du coup, il y a eu donc en 2022 2 conférences de nouveau intergouvernementales sur le BBNJ, en mars puis en août, qui se sont déroulées dans un autre climat, c'est-à-dire avec une véritable envie des délégations, quelles qu'elles soient, d'avancer, d'entrer vraiment dans des recherches de compromis, de concessions. Et donc, il y a eu particulièrement en août 2022 vraiment des progrès très significatifs qui ont été faits sur de nombreux aspects de l'accord. Alors certes, en août 2022, on n'a pas réussi à aboutir. Pourtant, c'était la dernière en fait, conférence hein, qui avait été autorisée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Même au départ, il n'y en avait que 4. Mais avec la pandémie, bon, on s'est rendu compte que ça avait quand même complexifié les choses. Donc, une 5e avait été autorisée, mais c'était donc la dernière. Et comme la fin de la 5e, donc d'août 2022, s'était terminée en fait, sur un sentiment qu'on était très proche de la fin, mais qu'il y avait encore des points majeurs en fait, à régler. La présidente de la conférence, Madame Renali, qui est une déléguée singapourienne, qui avait été élue présidente de la conférence, a eu l'idée de ne pas clore cette 5e conférence, donc à l'issue des 15 jours de négociations en août, notamment pour ne pas avoir à ce que la conférence se prononce en fait sur l'état des discussions, parce que comme il y avait encore des dissensions, mais qu'il y avait eu beaucoup de progrès qui avaient été faits dans ce qu'on appelait des small groups, donc des petits groupes de travail dédiés à certains aspects de l'accord, pour ne pas avoir à se formaliser et à formaliser quel était l'état en fait de la négociation fin août 2022, la présidente de la conférence a eu l'idée en fait de suspendre cette 5e conférence, donc pas la clore, et de prévoir en fait qu'elle serait rouverte ensuite à une date ultérieure, afin en fait de faire une continuité, de faire un prolongement de cette négociation et de reprendre là où on s'en était arrêté. Donc, c'est ce qui s'est produit et donc la 5e conférence a repris fin février, le 20 février 2023 et donc s'est achevée dans la nuit du 4 mars, donc avec l'adoption de ce
de cet accord donc par la conférence. Alors, c'était une adoption informelle, puisque j'y reviendrai tout à l'heure, il y a encore des étapes à franchir avant son adoption formelle. Donc, une année 2022, et donc il s'est poursuivi finalement en 2023 avec l'océan au cœur des négociations, la biodiversité aussi donc au cœur des discussions, la COP 15 donc à Montréal en décembre 2022 a été aussi un élément crucial en fait dans la dynamique de la négociation pour deux raisons. La première, c'était la COP 15 n'était pas nécessairement bien engagée et finalement l'issue a été satisfaisante avec des vrais compromis trouvés. Donc ça a donné une bonne dynamique avec un rôle très important de la Chine en fait dans cette puisque c'était eux qui avaient la présidence de cette COP 15. Donc une vraie bonne dynamique et aussi parce que un des sujets qui était en discussion dans le cadre de la COP 15, donc la Convention sur la diversité biologique, c'était aussi lié avec les ressources génétiques marines et en particulier ce qu'on appelle la DSI, c'est-à-dire le séquençage, les données de séquençage numérique. Et comme un accord a été trouvé dans le cadre de la COP 15, ça a permis d'avancer aussi sur ce volet difficile dans le cadre du BBNJ. Donc un environnement très propice en fait, favorable à la conclusion de cet accord, avec également une initiative qui avait été lancée sous présidence française de l'Union européenne, donc par l'Union européenne et ses États membres, d'une coalition de haute ambition pour le BBNJ, qui a été lancé donc lors du One Ocean Summit de février 2022 et qui, au moment de la reprise de la conférence en février 2023, comptait 52 États, dont les États-Unis qui ont rallié cette coalition juste avant la cinquième conférence, donc de nouveau marquant un élan, en fait, un support politique important pour cette négociation, et sachant que dans la coalition de haute ambition pour le BBNJ, il y avait des États qui représentaient l'ensemble des groupes régionaux, ce qui donnait aussi un levier en fait utile dans le cadre de la négociation et en tout cas au moins une ambition partagée de conclure un traité ambitieux et universel. Alors, avant de rentrer plus dans le détail du résultat de qu'est-ce que contient ce traité, peut-être quelques éléments sur la dynamique de la négociation. Donc cette négociation, évidemment, a été beaucoup menée par des groupes régionaux, avec d'abord le groupe le plus nombreux qui est le groupe qu'on appelle le groupe des 77 et de la Chine, qui représente donc le groupe des pays en développement, qui est évidemment un groupe très nombreux, beaucoup plus que 77 d'ailleurs, c'est son nom historique, un groupe donc très nombreux avec un positionnement, alors avec des divergences parfois, donc du coup ne pouvait pas s'exprimer sur toujours tous les sujets, parce qu'il y avait des divergences, notamment sur l'ambition environnementale. Mais en revanche, le groupe des 77 a présenté un front très uni sur tout ce qui touchait au financement. Et on voit, et le BBNJ n'a pas fait exception, que comme dans toutes les négociations environnementales actuelles, le financement, la question du renforcement des capacités, du transfert de technologies, du financement pour aider les pays en développement à mettre en œuvre donc les accords conclus, donc en l'occurrence le BBNJ, sont vraiment au cœur en fait des négociations et sont souvent même le point qui devient central à un moment des négociations et le point un peu d'achoppement sur lequel souvent les discussions deviennent extrêmement difficiles. Alors, le groupe des 77 et puis donc aux autres groupes régionaux, donc des groupes donc là plus petits mais néanmoins très influents, avec par exemple le groupe donc qu'on appelle CLAM, qui représente les États d'Amérique latine, les États aussi de la Caraïbe qu'on appelle CARICOM,
ou le groupe des Pisces, qui représente les îles du Pacifique et qui, sur ces questions liées aux droits de la mer, liées aux effets évidemment du changement climatique, de l'élévation du niveau des mers et donc de la prise en compte aussi de la protection de la biodiversité, sont particulièrement mobilisés et particulièrement demandeurs de normes environnementales très fortes, parce que c'est vraiment leur survie en fait qui est en jeu pour ces îles. Et puis vous aviez dans les entre guillemets de l'autre côté les pays dits développés avec une coordination. Alors évidemment, je vais revenir après sur l'Union européenne, mais avec l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, qui au départ étaient au tout début de la négociation quand même parmi les sceptiques, mais qui au cours de l'évolution de la négociation et notamment avec l'arrivée des démocrates au pouvoir sont devenus très très investis dans cette négociation. Des États comme le Canada, l'Australie, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, qui évidemment avaient aussi des positions à faire valoir à la fois en tant que protection environnement, mais aussi des intérêts économiques à défendre. De la même façon, des États d'Asie, comme le Japon ou la Corée du Sud, qui, pareil, et qui, au départ, pouvaient être parmi, entre guillemets, un peu les sceptiques, mais qui ont été justement de plus en plus porté par la nécessité d'avoir une vraie ambition environnementale sur ce traité. Et donc, il y a eu l'Islande aussi, qui était au départ vraiment très, très, le groupe très, très sceptique et qui a vraiment changé de position et qui a beaucoup œuvré, en fait, pour trouver justement des compromis. Et donc, il y avait aussi donc une bonne coordination entre tous ces États afin de, voilà, de trouver des positions un peu médianes et de favoriser des compromis. Une des grandes lignes de fracture qu'on a pu avoir au tout début du BNJ, mais qui s'est vraiment amoindrie au fur et à mesure, c'était la dissociation entre ce qu'on appelait l'approche universaliste et l'approche régionaliste. Un certain groupe d'États prônait au départ l'approche régionaliste, c'est-à-dire en fait, sans dire que le BBNJ ne servait à rien, voulait cantonner en fait vraiment le BBNJ de manière assez limitée en disant que les organisations régionales ou les organisations sectorielles existantes suffisaient bien et que c'était pas la peine de rajouter autre chose. Je caricature un peu, mais c'était ça, et ils étaient extrêmement fermes en fait sur les pouvoirs que la conférence des États parties, enfin que les institutions du BBNJ pourraient avoir. Cette approche régionaliste était notamment défendue assez fermement, alors par la Russie qui n'a jamais démordu de cette position, mais donc également par l'Islande ou même dans une moindre mesure, mais néanmoins par la Norvège ou par le Japon, la Corée du Sud. Enfin, il y avait quand même des vraies craintes par rapport à un BBNJ trop de pouvoir. Et finalement, je pense aussi sous la pression des opinions publiques et des ONG. On a senti en fait que cette approche régionaliste avait été moins prégnante pendant la négociation et que il y avait une vraie conviction que ce BBNJ devait avoir une vraie valeur ajoutée, qu'il fallait donc confier des vrais pouvoirs aux institutions du BBNJ, tout en assurant évidemment la préservation des compétences des organisations existantes, et que l'objectif c'était vraiment d'articuler ces différentes organisations, mais de ne pas faire du BBNJ une espèce de sous-organisation qui ne pourrait pas faire grand-chose par rapport aux autres. Donc ça, c'était il y a une vraie évolution dans la dynamique de la négociation sur ce plan-là, qui a permis aussi donc du coup de trouver des solutions, parce qu'en face on avait des États, notamment les pays du Sud, qui eux étaient vraiment très pro-universalistes
et peu, voilà, et pas du tout favorable au régionalisme pour des raisons assez simples. C'est que notamment par rapport au régionalisme, donc les organisations vraiment régionales, c'est que dans beaucoup, dans certaines, il y a beaucoup d'États développés et certains États du Sud considéraient qu'il n'y avait pas de raison que le BBNJ, organisme universel, ne puisse pas prendre des décisions parce qu'il y avait une organisation régionale auquel il n'était pas parti. S'agissant du rôle de l'Union européenne, donc le rôle de l'Union européenne a été très important, moteur, parce que il y avait un véritable souhait d'aboutir à conclure cet accord, et donc, comme je l'ai dit, un accord à la fois ambitieux sur le fond, mais aussi universel. Donc, avec beaucoup de coordination, d'abord avant les négociations à New York, hein, puisque bien sûr, s'agissant d'un domaine, la préservation de l'environnement marin, qui est une compétence partagée entre l'Union européenne et ses États membres, eh bien, il fallait qu'il y ait une position coordonnée d'abord à Bruxelles, au sein d'un groupe de travail du Conseil de l'Union européenne qui s'appelle le COMAR, qui est le groupe donc de travail du Conseil sur le droit de la mer, et donc avec beaucoup de réunions au sein de ce COMAR, avec les délégués donc des différents États membres de l'Union européenne pour bien avoir des positions sur chaque chapitre de l'accord, puis chaque disposition, chaque rédaction. Donc ça a demandé beaucoup de temps parce que tous les États européens ne sont pas nécessairement n'ont pas tout à fait tous les mêmes intérêts ou la même vision des choses. Donc, il y avait beaucoup de négociations internes, en fait, à l'Union européenne, une espèce de laboratoire, finalement, mais qui est aussi très utile parce que quand on arrive déjà à se mettre d'accord à 27, c'est souvent qu'on peut aussi, du coup, proposer des choses qui peuvent intéresser d'autres États, d'autres régions du monde. Et on a aussi essayé vraiment de faire des propositions à la fois en faveur de l'ambition du traité, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de trouver aussi des propositions permettant d'assurer ce caractère universel. J'en citerai quelques-uns quand je vous décrirai un petit peu l'accord, qui sont des initiatives de l'Union européenne et je dois le dire, souvent des initiatives françaises à la base. Grâce à un travail, alors c'est pas du tout la direction des affaires juridiques, hein, c'est un travail interministériel qui était mené grâce à l'implication de très nombreux acteurs en France, que ce soit évidemment au niveau des ministères, avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de la Mer, évidemment le ministère des Affaires étrangères, mais aussi d'autres instituts ou institutions comme le CNRS, l'Office français de la biodiversité, le Muséum d'histoire naturelle, et puis des partenaires comme Audrey Billet, avec qui on a beaucoup discuté aussi du BBNJ, qui ont permis en fait d'alimenter nos discussions, l'IDRI, enfin voilà, plein de l'IRD, plein de d'organismes qui ont pu contribuer à différents titres à proposer des choses, et donc beaucoup des quand je vous listerai un peu des propositions qui ont été faites par l'Union européenne, c'est très souvent en fait des initiatives françaises, alors qui ne se retrouvent pas toujours telles quelles dans le traité, parce qu'après, avec les discussions, elles ont pu être modifiées, mais en tout cas, les idées de base étaient souvent des idées que nous avions proposées et qu'on a parfois dû, sur lesquelles on a dû beaucoup insister et négocier en intra-européen pour qu'elles soient reprises. Et donc, je dois dire que c'est quand même un vrai motif de satisfaction pour toute l'équipe BBNJ qui a travaillé pendant de longues années sur ce sujet. Au sein de la coordination de l'Union européenne, on avait aussi un système qui s'est avéré très efficace, c'est-à-dire que ce n'était pas la Commission européenne seule qui négociait au nom de l'Union européenne et de ses États membres, mais on avait constitué ce qu'on appelait des
EU Team, donc des équipes en fait de négociation qui étaient composées à la fois donc de représentants de la Commission, mais aussi d'experts venant des États membres. Donc ils ne représentaient pas leur État en tant que tel, mais vraiment les États, donc plutôt la présidence finalement du Conseil. Et donc c'était vraiment ces EU Team négociaient avec les autres groupes ou les autres États, dont des bilatérales, ou qui prenaient la parole aussi lorsqu'il y avait pendant la conférence des Nations Unies. Et cet apport était vraiment très utile parce que ça permet finalement d'avoir au sein d'une même équipe des expertises différentes, également des parfois un sens politique, diplomatique renforcé. Donc c'était vraiment, en tout cas nous on a trouvé extrêmement bénéfique. Et évidemment quand on était à New York, on avait des réunions de coordination pour en fonction de l'évolution de la négociation, discuter de ces évolutions, avoir des discussions aussi un peu stratégiques. Et puis essayer de continuer d'être force de proposition, en essayant toujours évidemment d'être à l'écoute aussi des autres et de ne pas être trop centré sur nos problèmes intra-union, il y en a eu, mais de ne pas y passer trop de temps. Et par exemple, c'est la France et l'Allemagne qui, au sein de la coordination de l'Union européenne, ont poussé un peu la Commission à enclencher assez rapidement un dialogue avec la Chine pendant la dernière session, parce qu'on sentait que la Chine était un peu bloquée sur certains sujets, et donc il fallait essayer de trouver rapidement comment les surmonter, quels compromis on pourrait trouver pour que la Chine, dont l'influence sur le groupe des 77 est absolument majeure, puisse finalement favoriser une issue positive à l'ensemble des discussions. Donc voilà un peu sur la dynamique de la négociation. Alors sur un peu cet accord BBNJ, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc en fait il y avait 5 chapitres distincts au sein de cet accord BBNJ, un qui s'appelle les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, donc c'est un peu la gestion des espaces en fait. Il y avait la question des études d'impact environnemental, la question des ressources génétiques marines, la question du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines, et enfin un dernier chapitre qui s'appelait les questions transversales, et donc qui touchait à la fois aux questions, comme elles sont dites, transversales, c'est-à-dire à la fois les questions institutionnelles, les dispositions finales, le préambule, donc tout ce qui n'était pas disposition purement de fonds environnemental. Alors, les résultats donc par chapitre. Donc sur ce qu'on appelle les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, c'était évidemment un aspect fondamental pour l'Union européenne et ses États membres, puisque l'objectif, notamment pour nous le plus important de cet accord BBNJ, c'était de pouvoir permettre la création par la conférence des États parties, par les institutions du BBNJ, d'aires marines protégées en haute mer. Donc, ce résultat a été atteint, mais ce qui nous importait surtout, c'était qu'au-delà de la possibilité de l'habilitation pour la conférence des États parties de pouvoir créer ces aires marines protégées, c'était que cette décision ne soit pas prise qu'au consensus. Parce que on sait d'expérience que retenir uniquement comme mode d'adoption des décisions dans ces matières le consensus peut amener à un blocage. Et c'est ce qu'on vit actuellement au sein de la CAMELAR, donc la Convention sur la protection de la faune et de la flore en Antarctique, où dans cet océan austral, il y a depuis maintenant plusieurs années un blocage au sein de la CAMELAR pour la création de 2 aires marines protégées, et notamment un projet soutenu par la France donc en Antarctique de l'Est, du fait de l'opposition de la Chine et de la Russie, on n'arrive pas en fait à créer ces aires marines. Donc nous, l'objectif majeur sur ce chapitre, c'était de permettre que, en cas
d'absence de consensus. Si jamais tous les efforts avaient été faits pour obtenir un consensus, celui-ci ne pouvait pas être trouvé, eh bien, de permettre de passer un vote à la majorité qualifiée. Et c'est ce que prévoit donc l'accord du BBNJ, avec une majorité donc des trois quarts pour adopter donc une décision créant une aire marine protégée si jamais le consensus ne peut pas être atteint. Donc, c'était en fait la France qui avait proposé hein, aussi de passer à la majorité qualifiée, mais consciente que cette majorité qualifiée pouvait rendre difficile pour certains États d'accepter une telle mesure. La France avait proposé au sein de l'Union européenne d'abord la possibilité en fait de créer ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire qu'un État puisse dire bah, « moi, je peux pas appliquer cette décision pour telle et telle raison ». Alors évidemment, certains États du Sud ou également les ONG étaient très critiques par rapport à cette proposition faite par l'Union européenne, et c'est complètement compréhensible parce qu'évidemment, on se dit « ah bah oui, mais on prévoit la possibilité de créer quelque chose de protecteur et en même temps, on donne un échappatoire à des États, donc ça n'a pas beaucoup de sens ». Mais en fait, si, ça a du sens. Ça a du sens parce que… dans l'opt-out tel qu'on l'avait proposé, c'est pas celui qui a été retenu in fine, mais c'est la même idée, c'est il faut rendre l'opt-out difficile, politiquement compliqué, avec donc celui qui a été retenu, c'est il faut justifier pourquoi est-ce qu'on utilise l'opt-out. Il faut, et ça aussi, nous, on avait insisté côté français sur le renouvellement, c'est-à-dire que si vous ne renouvelez pas tous les 3 ans, votre opt-out, eh ben, il tombe. Donc, du coup, vous êtes lié. Donc, on peut pas laisser l'inertie, en fait, se faire. Il faut réaffirmer à chaque fois et donc rejustifier. L'accord prévoit aussi que vous devez expliquer les mesures que vous prenez, du coup, pour atteindre l'objectif, même si vous appliquez pas exactement les mesures qui sont prévues. Il y a un contrôle aussi qui est fait. Enfin, voilà. Donc, tout une espèce de review, de contrôle qui encadre cet opt-out, qui permet voilà, de dire bah, c'est effectivement un échappatoire, mais il n'est pas si facile à utiliser. Et surtout, c'était une condition pour qu'on puisse rallier notamment certains États qui ont des intérêts importants en haute mer, notamment des activités de pêche, et donc pour leur permettre, dans un premier temps, de ne pas être partis à cette aire marine protégée, mais avec la pression politique qui fait que à terme l'objectif c'est d'y faire rentrer. Si on n'avait pas eu cette opt-out, le risque aurait été double. Soit on n'obtenait pas la majorité qualifiée, donc là on serait resté au consensus et donc du coup il suffit qu'un État bloque et puis du coup il ne se passe rien, donc pas de possibilité de créer des aires marines protégées. Sinon, l'autre risque, c'est que sans opt-out, mais juste avec la majorité qualifiée, eh bien, de nombreux États auraient pu du coup ne pas rejoindre le BBNJ. Et donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut créer les outils les plus performants sur le papier, des aires marines protégées extrêmement fortes, extrêmement drastiques. Cette aire marine protégée ne s'applique pas à des États qui pêchent, ne s'applique pas à des États qui ont des bateaux sous leur pavillon qui naviguent, en fait, ça sert à rien. Donc, du coup, le réalisme, en fait, nous faisait dire qu'il fallait prévoir cette clause d'opt-out tout en l'encadrant fortement. Mais c'était une condition sine qua non pour pouvoir finalement créer un processus de création de ces AMP qui soit réaliste. Donc, une création donc, à la majorité donc, qualifiée donc, en cas d'absence de consensus. Donc, ça, c'était vraiment un enjeu majeur pour nous. La possibilité aussi, au-delà de créer l'aire marine protégée, de pouvoir adopter des mesures de gestion concrètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qui est interdit ou limité, restreint? Et donc, que le BBNJ puisse le faire, avec évidemment l'enjeu de l'articulation avec les autres organisations, soit sectorielles, soit régionales existantes. Et dans l'hypothèse où de telles organisations sectorielles ou régionales auraient dans leur mandat des mesures de gestion donc qui sont concernées par cette aire marine protégée, bien que le BBNJ puisse les inviter. Donc c'est que de la recommandation parce qu'il n'y a pas de hiérarchie en droit international, donc le BBNJ n'est pas au-dessus de ces organisations sectorielles ou régionales, mais puisse les inviter, leur recommander de prendre cette aire de mesure pour pouvoir donner corps à cette aire marine protégée dans
leur sphère de compétences. Donc, toute cette coordination et cette cohérence, c'est vraiment un point essentiel. Un point que l'Union européenne soutenait, mais qui n'a pas été complètement retenu, c'était l'idée de ce qu'on appelait la reconnaissance, c'est-à-dire de permettre au BBNJ de reconnaître des aires marines protégées en haute mer qui auraient été créées par d'autres organisations existantes, organisations régionales par exemple. On n'a pas réussi à obtenir l'idée de reconnaissance a eu du mal à être comprise. Peut-être qu'on n'a pas été suffisamment pédagogue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a suscité des méfiances. Après, c'est vrai que ce n'était pas nécessairement totalement simple, parce que si une organisation régionale crée une AMP, donc une aire marine protégée, qu'on la reconnaît, quid si cette organisation sectorielle modifie, du coup, il faut de nouveau la prendre en compte. Enfin, il y avait quand même un processus à respecter, enfin, à inventer qui n'était pas nécessairement impossible, mais pas forcément facile. Donc, qui finalement est quand même positif, c'est qu'on a obtenu alors en anglais on appelle ça un hook, donc un crochet, c'est-à-dire une habilitation de la COP à pouvoir, alors il n'y a pas le terme reconnaissance, mais à pouvoir créer voilà un processus par rapport à des aires marines protégées ou des outils de gestion par zone qui seraient créés en dehors d'elles, donc par des organisations sectorielles ou régionales. Le mécanisme pour créer donc des outils de gestion par zone, donc y compris des aires marines protégées, est assez complexe, avec beaucoup de consultations, des consultations des États, des consultations du public, scientifiques, des peuples autochtones éventuellement. Donc un processus assez encadré, avec évidemment l'importance des données scientifiques, à la fois pour déterminer quelles sont les zones susceptibles d'être ainsi protégées et quelles mesures pourraient atteindre ces objectifs. Les points qui ont été particulièrement discutés dans le cadre justement de ces consultations, ça a été notamment ce qu'on a appelé les high seas pockets, c'est-à-dire des poches de haute mer qui seraient entourées par des zones économiques exclusives. Donc, c'était une demande assez forte en fait des îles du Pacifique qui peuvent se retrouver dans cette situation avec des petites zones de haute mer et avec toutes leurs ZEE autour. Nous, ce qu'on faisait valoir, c'est que finalement, la haute mer, elle est toujours plus ou moins entourée de ZEE. Donc, si on a une exception assez large, ça peut couvrir finalement quasiment toute aire marine protégée. Mais l'idée, c'était quand même de créer un espèce de mécanisme de consultation renforcée dans de telles situations. Donc nous, on n'était vraiment pas très favorables parce que on a toujours été très, notamment la France et l'Allemagne, toujours très réticents à créer des droits particuliers liés à l'adjacence, dès lors qu'on parle de la haute mer, puisque la haute mer, c'est une zone qui n'appartient à personne. Donc voilà, la notion d'adjacence pouvait parfois être un petit peu dangereuse, même si on comprend bien que si on crée une aire marine protégée et qu'un État, ses ZEE juste à côté, ou son plateau continental étendu dessous, il peut avoir un intérêt à dire des choses et à être consulté de manière un peu plus particulière que n'importe quel autre État. Mais donc voilà, donc il y a eu beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Un autre sujet aussi qui était important, c'était la question de l'articulation avec les zones disputées, puisqu'on sait qu'il y a aussi dans certaines zones où la ZEE n'est pas délimitée, donc on ne sait pas exactement en fait où passe la limite entre la zone économique exclusive et la haute mer, avec en plus des zones disputées entre plusieurs États. Et donc ça, c'était un point particulièrement important pour la Chine, notamment, qui souhaitait vraiment affirmer de manière très explicite que rien dans l'accord, ni dans les mesures prises, ni dans les aires marines qui pouvaient être créées, ne pouvait en fait préjudicier les droits des États dans des zones disputées, pour résumer. Et donc, c'est justement l'échange qu'il y a eu entre l'Union européenne et la Chine pour essayer de vraiment comprendre et essayer de trouver du langage qui pouvait à la fois satisfaire la Chine et être acceptable par le plus grand nombre, voilà, qui a été
qui a été fait suffisamment précocement pour qu'une fois que ça s'était réglé, la Chine, notamment par rapport, on sait, hein, dans la zone disputée en mer de Chine méridionale, puisse être plus ouvert sur d'autres points, et notamment la création d'aires marines protégées à la majorité qualifiée dont il ne voulait pas du tout au départ. Donc voilà pour les outils de gestion par zone et les aires marines protégées. Pour les études d'impact environnemental, il y a eu trois sujets qui ont été âprement discutés. Le premier sujet, c'était qui décide lorsque donc un État envisage donc une nouvelle activité en haute mer. Qui décide en fait d'autoriser cette activité après avoir fait l'étude d'impact? Est-ce que c'est l'État lui-même ou est-ce que c'est un mécanisme institutionnel, par exemple la conférence des États parties? Les États dits développés étaient absolument fermes sur le fait que ça devait être l'État qui devait autoriser l'activité après avoir mené l'étude d'impact, parce que c'est sa responsabilité ensuite aussi de veiller, etc. Donc, on estimait que c'était vraiment une décision qui devait appartenir à l'État, et il y avait des États du Sud qui, eux, étaient extrêmement réticents à accepter cette formule et souhaiter donc une internationalisation de la décision. Donc finalement, le compromis qui a été trouvé, c'est que c'est bien une décision de l'État, mais en revanche, il y a une internationalisation assez poussée, avec un rôle notamment de contrôle de l'organe scientifique et technique. L'État, il doit entre guillemets prouver que son étude d'impact est valable. Il y a des États peuvent faire entre guillemets appel s'ils ont des doutes sur soit la sincérité, soit la qualité de l'étude d'impact qui a été menée. Donc, ce degré d'internationalisation a permis de trouver une issue favorable sur ce sujet. L'autre question qui a été âprement discutée, c'était la question de quelles activités devaient être en fait soumises à une étude d'impact, sous deux angles différents. Le premier angle, c'était est-ce qu'il faut en fait que ça s'applique uniquement aux activités qui se déroulent en haute mer et qui ont des effets en haute mer? Ou est-ce qu'on peut aussi imaginer que ça s'applique à des activités qui se passent en zone sous juridiction, donc en ZEE par exemple, en zone économique exclusive, mais qui ont des effets en haute mer? Au début, l'Union européenne et ses États membres étaient vraiment, et comme les États développés en général, étaient vraiment très axés sur ça ne s'applique qu'aux activités situés en haute mer et qui ont des effets en haute mer. Mais il y avait des demandes, évidemment, d'autres États du Sud, notamment, qui voulaient avoir quelque chose de plus complet. Donc, la France a proposé, dans le cadre de l'Union européenne d'abord, à ce qu'on puisse mettre au moins dans le traité ce qu'on appelait une clause d'opt-in, c'est-à-dire une clause facultative permettant aux États qui le souhaitaient d'appliquer le BBNJ pour leurs activités sous juridiction qui auraient un effet au-delà de la juridiction. Ça a été jugé, on a déjà eu beaucoup de mal à faire passer ça au niveau de l'Union européenne, y compris par la Commission qui avait peur en fait que ça remette en cause le système de l'Union européenne qui est évidemment très protecteur, beaucoup plus exigeant que ce que prévoit le BBNJ. Mais comme voilà, on a dit que c'est une clause pour ceux qui le souhaitent, donc on pouvait tout à fait nous dire que on avait un système plus protecteur et que donc on n'utiliserait pas le BBNJ pour ce type d'activité. Mais cette proposition n'a pas été jugée suffisamment ambitieuse, justement. Donc, c'est un autre système qui a été imaginé et que nous avons évidemment tout de suite soutenu parce que c'est un excellent compromis. C'est-à-dire, en fait, que pour les activités sous juridiction mais qui ont des effets nuisibles en haute mer, l'État, en fait, doit faire une étude d'impact mais peut la faire avec son système national ou le système BBNJ, en prouvant évidemment que si c'est son système national, qu'il est
en gros, globalement équivalent, enfin, en tout cas, qui permet voilà, d'avoir une certaine qualité et une certaine certitude par rapport à l'évaluation donc, des effets en haute mer. Donc ça, c'est vraiment un apport aussi très important. Les ONG aussi étaient extrêmement vigilantes par rapport à ce point, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en haute mer, de nombreux en fait, dégâts viennent en fait, d'activités qui sont menées sous juridiction. Le deuxième aspect qui était en jeu, donc à côté du lieu de l'activité, c'était la question du seuil. Est-ce que l'on garde uniquement le seuil donc prévu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'article 206, ou est-ce qu'on met, et mais qui est un seuil très exigeant, ou est-ce qu'on prévoit quelque chose finalement d'intermédiaire? L'issue finalement est un compromis. Nous, la France, on avait poussé pour avoir un seuil intermédiaire avec peut-être une espèce d'évaluation d'impact un peu simplifié, et puis si on atteignait le seuil posé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc une étude d'impact environnemental complète. Donc finalement, on est arrivé sur un système qui est assez proche de celui-ci, où si l'État considère, en tout cas, doit présenter une évaluation si son activité a un effet plus que mineur et transitoire dans la haute mer. Dans ces cas-là, il doit faire une espèce d'évaluation, c'est un peu simplifié, de son activité, afin de permettre aussi aux autres, et y compris à l'organe scientifique et technique, de vérifier si effectivement on est bien dans du transitoire mineur ou est-ce qu'on est vraiment au-delà, et auquel cas est-ce qu'on l'État a bien respecté le seuil, parce que si c'est le seuil de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et bien dans ces cas-là, il faut mener une étude d'impact beaucoup plus complète. Donc voilà sur les études d'impact environnemental. Sur les ressources génétiques marines. Donc ça a été un sujet également très âprement discuté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la COP15 a permis déjà de un peu régler la question des données donc de séquençage numérique qui donc font partie des bénéfices qui doivent être partagés, parce que effectivement un des aspects majeurs de la discussion, c'était donc sur le partage des bénéfices tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines, avec la demande très forte du groupe des 77 des pays du Sud, eh bien de pouvoir bénéficier en fait des fruits de l'utilisation donc de ces ressources génétiques marines collectées en haute mer. Donc, à la fois du partage dit non monétaire, c'est-à-dire la diffusion de l'information pour pouvoir en fait augmenter leur connaissance en fait des ressources génétiques marines et de ce que l'on peut en tirer comme données, mais également, et c'était l'un des points qui a été le plus âprement discuté, du partage monétaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où des produits seraient commercialisés à partir en fait de ressources génétiques marines collectées en haute mer, eh bien qu'il y ait un partage des bénéfices tirés de cette commercialisation au profit des États en développement, sur un peu le modèle de ce qui existe pour les ressources minérales des grands fonds marins, où l'Autorité internationale des fonds marins, enfin la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et c'est l'Autorité internationale des fonds marins qui travaille sur ce sujet, eh bien, organise comment, si un jour il devait y avoir de l'exploitation des ressources minérales des grands fonds, pour l'instant ce n'est pas le cas, si un jour il devait y avoir une commercialisation, eh bien, que le produit de cette commercialisation puisse être réparti au bénéfice de l'humanité tout entière, et en particulier des pays en développement. Donc, les discussions ont été extrêmement difficiles parce que le groupe des 77, qui pour le coup était extrêmement uni, souhaitait mettre en place un système extrêmement drastique de traçabilité entre le moment où la ressource génétique marine est collectée jusqu'au produit final, donc
commercialisé, donc avec quelque chose d'extrêmement lourd qui nous paraissait absolument ni praticable, susceptible aussi de mettre en jeu finalement même la recherche scientifique, et des demandes très fortes évidemment sur ce partage monétaire des bénéfices. Donc la solution qui a été trouvée, c'est un mécanisme de traçabilité, mais qui est moindre que celui que préconisait le groupe des 77. Et sur le partage des bénéfices, en fait, un système en deux temps. Ce qu'a proposé l'Union européenne à partir de la conférence d'août 2022, c'était en fait d'offrir en fait aux pays en développement, au titre du partage monétaire des bénéfices tirés des ressources génétiques marines, eh bien de leur offrir en fait une sous forme de contribution obligatoire un financement pour le renforcement des capacités et donc les transferts de technologies marines. Donc l'idée en fait c'était un peu de découpler entre finalement de l'argent qui viendrait vraiment de la collecte de ressources génétiques marines et de la recherche qui est faite après. Mais ça, on ne sait pas. Enfin, ça peut prendre des années ou d'ailleurs de jamais arriver. Et donc, ce qu'on leur proposait, c'était plutôt que d'avoir quelque chose d'hypothétique un jour, de dès maintenant leur offrir en fait des contributions qui viendraient alimenter un fonds qui viendrait donc financer le renforcement des capacités. Donc cette proposition a été évidemment trouvée intéressante parce qu'il y avait une immédiateté, une certitude aussi sur le financement. Mais le groupe 77 a considéré que ce n'était pas suffisant. Donc finalement, le compromis qui a été trouvé, c'est que on prévoit donc ces contributions obligatoires au titre du renforcement des capacités, donc pour financer ce fonds dès l'entrée en vigueur de l'accord. Et ensuite, on prévoit que la COP pourra, si un jour il y a de la commercialisation de produits issus de ressources génétiques collectées en haute mer, eh bien, modifier ce partage monétaire des bénéfices, donc abandonner le système des contributions et mettre autre chose à la place. Et il y a plusieurs options qui sont listées de manière d'ailleurs non limitative, y compris éventuellement des royalties. Voilà. Après, ça sera à la COP de déterminer. Il y a aussi un comité qui est créé sur ces questions-là pour essayer de trouver le meilleur système. Donc voilà, et sur les ressources génétiques marines aussi, mais c'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure, un des points vraiment fondamentaux, c'est vraiment les questions de transparence, donc de diffusion de l'information. Donc il y a une plateforme qui sera créée, qui permettra de savoir lorsque un État envisage de faire une campagne pour collecter des ressources génétiques marines, il devra notifier donc avant, voilà, qui va faire cette campagne avec tel objectif, donc telle zone, à telle période. Puis ensuite, au corps des informations, une fois la campagne réalisée, il y a évidemment une diffusion aussi de l'information donc, sur les données qui sont donc issues des recherches effectuées. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'assurer une diffusion de la connaissance scientifique. Le quatrième chapitre, c'était sur le renforcement des capacités, le transfert de technologies, avec en fait des obligations un peu renforcées, mais qui ne changent pas énormément, mais qui sont quand même un peu renforcées par rapport à ce que prévoyait déjà la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, étant entendu que l'enjeu, c'est plus une question de mise en œuvre que vraiment de rédaction des dispositions. Ce qui a été évité, qui était important pour les pays en développement, c'était la question de la propriété intellectuelle, parce qu'évidemment, quand on parle de transfert de technologie marine, peut se poser immédiatement des questions de propriété, de brevet, donc de propriété intellectuelle. Et il y a des discussions en cours au sein de l'OMPI, donc de l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle. Et donc, on ne voulait pas que le BBNJ s'en charge, parce que c'est un sujet trop complexe. Donc, ça a été mis de côté, ce qui était une très bonne chose pour nous. Et de nouveau aussi un comité sur le renforcement des capacités a été créé, l'objectif étant de faciliter dans la mesure du possible la mise en œuvre
par les États en développement sur tous les différents chapitres de l'accord. Et donc le dernier chapitre, c'était donc ces questions transversales. Les points à retenir, c'est la création de nouvelles institutions, donc avec une conférence des États parties, un secrétariat, un organe scientifique et technique, et plusieurs comités qui viendront donc seconder la mise en œuvre de cet accord. À retenir également le financement, donc avec plusieurs étapes dans le financement, donc d'une part des contributions obligatoires pour financer le fonctionnement des institutions du BBNJ elle-même, des contributions volontaires pour à la fois faciliter la participation des États en développement aux réunions du BBNJ, des contributions volontaires aussi au fonds sur le renforcement des capacités, fonds sur le renforcement des capacités qui sera également donc financé par les contributions dites au titre des ressources génétiques marines. Il y aura aussi un rôle dans le renforcement des capacités, un rôle donc du GIEF, du Fonds mondial, pour évidemment aussi participer, comme il le fait déjà, mais de manière encore plus forte, à la question donc du renforcement des capacités pour les océans. Et autre point donc à retenir, c'est je vous ai déjà parlé de majorité qualifiée pour les aires marines protégées. Le système de majorité qualifiée est également inscrit de manière générale pour les décisions que devra prendre la COP, donc la conférence des États parties, avec un système de double vote, et ça aussi c'était une idée française à la base, c'est-à-dire une première majorité pour constater l'absence de consensus, donc une majorité des deux tiers, et une fois que donc cette majorité des deux tiers donc est réunie, donc on constate que le consensus n'est pas atteint, eh bien une majorité, enfin la décision pourra être prise à une majorité des trois quarts. Et donc ça, c'est nouveau dans les conventions de protection de l'environnement où on fonctionne toujours au consensus. Et donc là, la majorité qualifiée est prévue, y compris en matière budgétaire. C'était une concession qu'ont dû faire les États en développement par rapport justement aux concessions qui ont été faites sur tout ce qui touche notamment les ressources génétiques marines, les contributions obligatoires. Comme ces contributions obligatoires au titre des ressources génétiques marines, c'est un pourcentage du budget, enfin de la contribution de chaque État au budget. Évidemment, ils nous ont dit, oui, mais si vous avez la maîtrise du budget, du coup, vous donnez d'une main, mais vous reprenez de l'autre. Les États développés ont accepté aussi que le budget soit adopté à une majorité qualifiée des trois quarts en cas d'absence de consensus. Les seules exceptions où le consensus s'applique, c'est le règlement intérieur, les règles de procédure, ainsi que les règles financières. Et les règles financières, ce sont celles en fait qui fixent en particulier les contributions, la répartition, en fait, le niveau de contribution de chaque État. Et ça sera en revanche qu'au consensus. Et enfin, dernier point que je voulais mentionner dans les dispositions générales, c'est sur les principes. L'un des grands enjeux de cette négociation, en tout cas une très forte demande du groupe des 77, c'était la reconnaissance que les ressources génétiques marines faisaient partie du patrimoine commun de l'humanité, c'est-à-dire comme les ressources minérales des grands fonds, c'est-à-dire des ressources évidemment qui n'appartiennent à personne, dont les bénéfices doivent être partagés, etc. Donc un régime un peu à part. Ce dont ne voulaient pas les États développés. Du coup, le compromis qui a été trouvé, en fait, c'est que dans l'article sur les principes et approches qui s'appliquent à cet accord, il y a une référence au patrimoine commun de l'humanité tel qu'il est écrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Or, comme il y a une divergence d'interprétation sur
le patrimoine commun de l'humanité tel qu'il est écrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cette divergence va perdurer. Les États du Nord considérant que ce principe ne s'applique qu'aux ressources minérales des grands fonds et le groupe des 77 continuant de considérer que ça s'applique aux ressources génétiques marines. Mais en pratique, il n'y a pas beaucoup d'effets parce qu'il est vrai que même si ce n'est pas consacré explicitement, le point le plus important, qui est quand même le partage des bénéfices, lui est bien inscrit dans l'accord. L'autre point aussi où il y a eu beaucoup de difficultés à avoir un consensus, c'est sur ce qu'on appelle le principe de précaution. Et donc la formule finale, c'est que tout le monde a, on y trouve les deux, c'est-à-dire on trouve à la fois une référence au principe de précaution et à l'approche de précaution qui est moins contraignante. Et donc les deux sont marqués au même niveau. J'ai oublié de vous dire qu'en contrepoint du patrimoine commun d'humanité, il y a également la référence aux grandes libertés de la haute mer et notamment la liberté de recherche scientifique. La France avait essayé de pousser au sein de l'Union européenne une notion chère à Eudes Rubillet, qui était l'océan bien commun de l'humanité. On n'avait pas été suivi au niveau européen, donc cette notion ne figure pas dans le préambule de l'accord, mais on retrouve bien en revanche l'idée de responsabilité commune, en fait, qui sous-tend la notion d'océan bien commun, et c'est une expression qui est, même si elle n'est pas consacrée dans l'accord BBNJ, de plus en plus utilisée, y compris par nos autorités bien sûr, mais aussi par notamment le secrétaire général des Nations Unies. Et pour finir, la suite. Alors, la suite, donc je vous ai dit que le 4 mars, l'accord avait été adopté informellement. Depuis le 4 mars, il y a ce qu'on appelle en fait la... je ne sais pas comment on dit en français, la vérification un peu juridique, c'est-à-dire on vérifie qu'il n'y ait pas d'incohérence ou des mots qui seraient mal écrits ou qui voilà, mais on ne retouche pas du tout le fond. Hein, c'est vraiment du le mot ne me revient pas, mais donc c'est vraiment voilà du travail juridique pur. Et il va y avoir également un travail sur la vérification de la concordance linguistique, puisque c'est un accord qui a été négocié en anglais. Et qui va évidemment être dans les 6 versions, les 6 langues officielles des Nations Unies, dont le français. Et donc, ce travail, en fait, donc, est effectué en ce moment avec l'objectif d'adopter formellement, cette fois, l'accord par la conférence qui va être réunie juste après la réunion des États parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle SPLOS, qui se déroulera en juin. Et donc, je ne sais plus la date exacte, je crois que c'est vers le 19 juin qu'il devrait y avoir normalement une adoption formelle de l'accord. Ensuite, les étapes, il devrait y avoir une signature de cet accord. L'idée française, mais on ne sait pas si on y arrivera pour différentes raisons, ça serait de pousser pour que cet accord soit signé lors de ce qu'on appelle la session de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies mi-septembre, où tous les chefs d'État et de gouvernement viennent pour justement montrer aussi le côté historique de cet accord. Mais pour des raisons à la fois tenant aux Nations Unies, mais aussi, par exemple, pour certains de nos partenaires européens qui vont avoir besoin aussi d'avoir, eux, leur traduction dans leur langue nationale, et y compris aussi au niveau européen où il faut une autorisation du Conseil pour signer. On ne sait pas si on va réussir à faire tout ça, mais en tout cas, l'idée de la France, c'était vraiment d'essayer de pouvoir avoir une signature de cet accord donc en septembre. Puis va s'ouvrir le processus de ratification donc pour permettre l'entrée en vigueur de l'accord. Pour que l'accord entre en vigueur, il faut 60 ratifications, donc ce qui est un nombre à la fois assez important, mais pas tant que ça, puisque nous, dans l'Union européenne, on est déjà 27, donc déjà rien que l'Union européenne et ses États membres, on peut représenter quasiment la moitié en fait,
de ces États. Et puis, il y a beaucoup d'États comme les îles du Pacifique, les îles de la Caraïbe, qui sont très nombreux et qui sont évidemment très motivés pour rejoindre cet accord rapidement. Donc, l'objectif, c'est maintenant d'essayer de pousser à ce que la ratification soit la plus rapide possible pour que l'entrée en vigueur puisse être annoncée, si possible, lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, donc l'UNOC 3, qui se déroulera à Nice en juin 2025. Donc, ce qui donnerait septembre 2023 la signature, juin 2025, donc un peu moins de 2 ans, ce qui est court pour des processus de ratification et obtenir 60 ratifications. Mais avec l'accord de Paris, ça a été possible. Donc, on espère que pour le BBNJ, ça sera pareil. Au niveau français, il y aura donc une ratification par la France avec une soumission au préalable au Parlement, puisque c'est un accord dont la ratification doit être autorisée par le Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution. Donc, il y aura un processus parlementaire préalable. Et au niveau de l'Union européenne, donc il y aura une autorisation du Conseil donc pour signer l'accord, comme j'ai indiqué, mais il y aura également une autorisation du Conseil pour que l'Union européenne devienne partie, on ne parle pas de ratification, mais enfin, c'est la même chose, pour qu'elle conclue l'accord. Et cela impliquera qu'on détermine assez finement la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États membres dans la mise en œuvre de l'accord BBNJ, puisque en fonction de qui est compétent, Union européenne ou État membre, eh bien, ce seront soit l'Union européenne, soit les États membres qui voteront à la COP, donc à la conférence des États parties du BBNJ, puisque l'accord BBNJ prévoit que que pour les organisations régionales d'intégration économique, donc l'Union européenne, eh bien, il doit y avoir une déclaration sur la répartition des compétences et que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est donc soit l'organisation qui vote, soit les États membres. Évidemment, ça ne s'additionne pas. C'est ou l'Union européenne qui vote pour 27 ou les 27 qui votent séparément. Et cette, évidemment, discussion sur la répartition des compétences pourrait être difficile. On l'a déjà vu dans de nombreux exemples, parce que, par exemple, ça pourra déterminer est-ce que lorsqu'on veut créer une aire marine protégée, c'est un État ou un groupe d'États qui propose que telle zone devienne une aire marine protégée. Est-ce que la France pourra le faire à titre national avec d'autres ou est-ce que la France ne pourra pas le faire car seule l'Union européenne sera compétente pour faire une telle proposition. Donc, voilà un exemple qui montre pourquoi la répartition des compétences sera importante, parce que ça va évidemment déterminer ensuite la capacité d'action et de décision au sein de l'organisation BBNJ. Voilà, je crois que j'ai été trop longue par rapport au temps qui m'a été alloué, donc je suis vraiment désolée, j'ai été trop bavarde, mais s'il y a des questions ou des remarques ou des commentaires, je suis évidemment à votre disposition. Merci beaucoup Sandrine, non, vous n'avez pas, ça n'a pas été trop long. Je ne sais pas si on a un léger décalage entre ce qui se dit à un endroit et à l'autre. Apparemment, vous continuez à parler là sans qu'on vous entende, mais peut-être avons-nous reçu le son avant l'image. Nous avons deux porteurs de micro là qui vont prendre les micros. Vous avez la première question, puisque le micro donne la première question. Allez-y. On vous entend peut-être pas. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Sandrine, vous entendez ? Première question. Pendant la signature et pendant tout le travail sur la BBNJ, quel rapport avait l'Union européenne avec les États-Unis et le Canada, mais principalement les États-Unis ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de conflits ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de travail en commun ? Voilà. Alors, au tout début de la négociation, les relations étaient assez difficiles parce que, vraiment, comme je disais, les États-Unis n'étaient vraiment pas les plus progressistes sur le sujet. En revanche, après, il y a vraiment eu un changement en fait, de paradigme. Et donc, oui, on a eu beaucoup, beaucoup d'échanges. Alors, il a fallu les convaincre sur
quand même des sujets, mais finalement ils ont été oui extrêmement quand même extrêmement présentes et présents pardon, et le fait notamment qu'ils rallient juste avant la reprise de la cinquième conférence la coalition de haute ambition, alors qu'on les avait tannés hein, depuis évidemment dès le début hein, pendant plus d'un an, a été vraiment assez symptomatique. Et oui, on a eu des relations extrêmement proches avec les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On a fait beaucoup, beaucoup de… le Royaume-Uni, évidemment. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a travaillées ensemble pour faire des propositions qui permettent aussi de contrebalancer le front très uni sur certains sujets, notamment liés au financement du groupe des 77. Oui. Maintenant, l'enjeu, c'est la ratification. Donc, on verra si les États-Unis ratifient, puisque, comme vous le savez, ils ne sont pas partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à cause du patrimoine commun de l'humanité, hein, essentiellement, et la création de tout le régime sur l'exploitation des ressources minérales. Ils ne sont pas non plus partis à la Convention sur la diversité biologique. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on espère… qui pourront devenir partie à cette convention, ce qui est tout à fait possible, parce qu'en tout cas, je veux dire juridiquement, on n'est pas obligé d'être partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour devenir partie au BBNJ, même si le BBNJ est un accord d'application de la convention. On a par exemple un autre accord qui est l'accord sur les stocks chevauchants, qui a été conclu en 1995, qui est aussi un accord d'application de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, hein, qui réglemente des questions de pêche et qui notamment prévoit la création des organisations régionales de pêche. Les États-Unis sont partis à cet accord sur les stocks chevauchants, bien qu'ils ne soient pas partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Donc, on espère que sur la biodiversité, au-delà de la juridiction nationale, les États-Unis deviendront maintenant partie à ce traité, parce que ce sont des utilisateurs de la haute mer, parce que aussi, financièrement, ils représentent quelque chose d'important. On espère qu'ils seront dedans. Merci. Deuxième question. Oui, bonsoir, madame. Je me présente, je m'appelle Grégoire Maringui. Je suis étudiant en deuxième année de licence histoire-géographie. Vous avez fait référence aux prochaines conférences qui auront lieu sur le droit de la mer. Est-ce que la question des tensions maritimes entre la Chine et les États-Unis, qui est un sujet capital en ce moment dans le monde maritime, sera à l'ordre du jour lors des prochaines conférences? Alors, la réponse est non. alors, il y a effectivement, dans le cadre du BBNJ, certainement pas. Parce qu'il n'y a pas de lien direct, en fait. Et puis, il y a pas mal de clauses hein, où la Chine s'est quand même assurée qu'on ne viendrait pas parler des sujets, de ce genre de sujets qui fâchent. Et s'agissant donc de la réunion des États parties donc, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc SPLOS, qui se tiendra donc en juin, c'est des réunions, en fait, qui sont essentiellement, administratives et budgétaires. On parle assez peu en fait de ce type de sujet-là, et en plus là, les États-Unis de toute façon ne sont pas partis, enfin ne participent pas en tant que membres puisqu'ils ne sont pas partis à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On essaye petit à petit de remettre un peu de sujet de fond dans ces réunions des États parties, notamment avec des déclarations qui sont faites à titre national qui rappellent l'importance du respect de la liberté de navigation, y compris dans les détroits, etc. Le respect aussi des sentences arbitrales, comme la sentence sur la mer de Chine. Mais on peut pas dire… de plus en plus, il y a des prises de parole sur ce type de sujet-là, mais on peut pas dire qu'on en discute. Merci. Une question écrite de Régis Mauriac. La multiplicité des organismes de gestion des espaces maritimes n'est-elle pas un frein à la bonne application des différents outils? C'est tout l'enjeu. C'est clair que il y a deux choses. D'une part, effectivement, il y a beaucoup du fait de l'histoire, en fait. C'est différent du climat ou même de la biodiversité, quoique. Mais en tout cas, nous, il y a
effectivement beaucoup d'organisations, donc soit sectorielles, soit régionales, qui existent déjà et qui font des choses. Et donc vraiment, notre sentiment, en tout cas nous, à la, enfin, nous, la France et l'Union européenne et ses États membres, c'est que vraiment l'enjeu maintenant, ce n'est pas tant de créer de nouveaux instruments, c'est vraiment plutôt voilà, que le BBNJ permette d'articuler, de rendre plus cohérent, plus efficace en fait, par un, plus de dialogue, plus d'interaction entre ces différents forums, effectivement, organisations où on discute de questions liées à la protection de l'environnement marin, de questions maritimes. Et c'est le véritable enjeu, sachant que, et c'est le deuxième aspect, les États, ce sont les mêmes qui sont partis à ces différents instruments. Sauf que parfois, c'est les mêmes États, mais ce n'est pas les mêmes intérêts qui sont représentés. Vous allez avoir dans les organisations régionales de pêche, ça va plutôt être les ministères de la pêche ou de l'agriculture, enfin, ça dépend comment ils sont organisés. Dans des conventions de mer régionale, ça pourra des fois être plus des représentants du ministère de l'Environnement. Donc, il faut réussir en fait un peu à ce que tout le monde se parle pour essayer effectivement de mettre en place des mesures de gestion efficaces en fait. Et ça, ça passe vraiment par davantage de coordination, davantage de cohérence, que notamment aussi les là l'idée par exemple dans le cadre du BBNJ, c'était que l'organe scientifique et technique donc du BBNJ puisse aussi parler. Être en relation étroite avec d'autres organismes scientifiques et techniques qui sont dans d'autres organisations régionales, d'abord pour des questions aussi d'économie de moyens, parce que ça ne sert à rien de réinventer la roue s'il y en a qui ont déjà fait le travail, et de pouvoir ainsi un peu mutualiser et faciliter aussi par une meilleure compréhension commune voilà, des systèmes, des endroits à protéger, des mesures qui fonctionnent, etc. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait plus de cohérence, qu'il y ait une meilleure gouvernance de l'océan. Et c'est vraiment l'objectif recherché par le BBNJ et c'est vraiment l'objectif qu'il faut atteindre. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, nous avons un interlocuteur que vous connaissez, Sandrine. Serge Segura voudra le micro. Là, ça doit marcher. Oui, bonsoir Sandrine et merci pour cet exposé éloquent à la fois sur la difficulté de cette longue négociation et de l'importance du succès remporté au mois de mars. Félicitations. J'ai une question peut-être un peu piège, il ne faut pas la prendre comme ça, mais il y a toujours une zone qui m'intéresse et qui me préoccupe quand on parle de convention sur le droit de la mer et du traité BBNJ, c'est l'Antarctique. Je me souviens que à chaque réunion à New York, il y avait le petit groupe des États dits possessionnés, dont la France, qui revendique donc un territoire terrestre et maritime en Antarctique, qui se réunissait pour se poser des questions sur l'applicabilité de ce futur traité BBNJ à la zone antarctique en raison de l'existence d'un autre dispositif extrêmement efficace qui a déjà fait ses preuves mais qui a prouvé ses difficultés de fonctionnement à la Camélar, qui est celui du traité de Washington et du protocole de Madrid. Est-ce que l'on a avancé côté français sur l'idée de savoir est-ce que le traité BBNJ va s'appliquer dans la zone maritime de haute mer autour du continent antarctique ou est-ce que l'on en est encore à se poser des questions? Merci beaucoup Serge pour cette question et ravie de te voir et ça me permet en plus de te rendre hommage parce que parmi les nombreuses propositions françaises qui ont été proposées par la délégation française, évidemment Serge Segura était avec et derrière la plupart de ces propositions. Donc, ça me permet de le remercier publiquement pour tout son apport à la négociation BBNJ. Sur ta question, il y a eu donc effectivement à chaque fois toujours ces réunions des États possessionnés pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour à la fois préserver le système antarctique tout en eh bien, ne créant pas une brèche
dans le BBNJ qui pourrait servir à d'autres mécanismes du coup et qui du coup nous poserait problème puisque l'objectif c'était quand même d'avoir un BBNJ ambitieux, et bien on n'a pas trouvé de solution. Donc du coup le problème n'est pas réglé. Et je pense qu'on voilà, on restera sur le fameux principe que tu connais du not undermine, qui est en plus maintenant rédigé dans l'accord de manière voilà, je crois assez raisonnable. Et donc voilà, donc c'est soit il n'y a pas de proposition pour créer une aire marine protégée, par exemple en Antarctique de l'Est, qui viendrait dans le cadre du BBNJ. Si après c'était malgré tout le cas, la limite, ça serait que surtout pour la Camélar, où c'est vraiment à la fois, préservation de la biodiversité plus la gestion de la pêche, on serait obligé de renvoyer toutes les mesures de gestion finalement à la Camélar. Donc on créerait finalement une coquille vide, puisque ça serait pas BBNJ qui pourrait prendre les mesures de gestion, mais uniquement la Camélar. Et si la Camélar le fait pas, voilà. Donc moi, nous, on a toujours été, en tout cas Serge et moi, assez dubitatifs sur le risque vraiment important qu'il y avait. Mais je crois que le résultat du traité, prémunit et finalement la meilleure solution, c'était, je pense, de ne pas en parler. Mais le sujet a été très, vraiment très peu évoqué. C'était un peu une espèce d'elephant in the room. Voilà, eh bien, merci infiniment Sandrine. Vous nous avez expliqué avec des mots simples pourquoi tout cela était fantastiquement compliqué. Donc, un immense merci pour cet exercice remarquable que vous nous avez fait ce soir. On vous applaudit tous ici. Et puis, je dis à tous nos auditeurs... rendez-vous l'année prochaine, en fin septembre, début octobre, la date n'est pas encore fixée, pour le début de la 20e saison des Mardis de la Mer. Les Mardis de la Mer auront 20 ans l'année prochaine, donc on essayera de vous faire une très belle saison à nouveau pour ces rendez-vous sur connaître et aimer la mer. Merci à tous, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci encore Sandrine, au revoir. Au revoir.